Привет, товарищи. Je suis le double communiste du type qui présente d'habitude. C'est comme un double maléfique, mais en communiste à la place. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'histoire du communisme en Europe par les blagues communistes. Voyons plutôt. Le communisme est une doctrine politique développée au XIXe siècle par Marx et Engels. Elle a pour but, à terme, de développer une société égalitaire, sans classe sociale, et où la propriété privée serait abolie. C'est cette doctrine qui servira de base théorique à la révolution russe d'octobre 1917, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais pourquoi les blagues? Eh bien déjà parce que encore aujourd'hui, on se sert du potentiel humoristique du communisme tel qu'il a été pratiqué dans les pays d'Europe de l'Est, comme on peut le voir dans la très bonne série Au service de la France. D'accord. On prend un taxi? Très mauvais réflexe capitaliste. On y va à pied. C'est pas loin? Non. 8 km. Quoi? On va pas se taper 8 bornes à pied avec nos valises. Y'a pas de taxi chez les communistes? Ah bien sûr que si. Mais on peut pas le prendre. Il faut un taxi habilité à prendre en charge les Occidentaux. Pour ça, il faut se renseigner auprès de la police des taxis qui est dans le centre de Moscou. Et le taxi ne pourra pas nous y emmener puisque nous ne savons pas s'il est habilité à le faire. Et de toute façon, il faudra refaire les 7 km pour revenir ici, puisque les taxis habilités à prendre en charge les Occidentaux ne se prennent qu'à l'aéroport. Donc c'est beaucoup plus simple si nous y allons à pied. En effet. En avant. Et déjà à l'époque, à l'intérieur de ces pays, l'humour politique occupait une place très importante. Bien sûr, tous les systèmes connaissent leurs blagues politiques, mais aucun n'en a recensé autant. Il existe d'ailleurs plusieurs recueils de blagues communistes, et des milliers de blagues différentes. On y trouve des blagues sur tout, les leaders politiques, les événements historiques, la vie quotidienne, etc., etc. En plus, comme le communisme régissait beaucoup d'aspects de la vie, il y avait beaucoup de sujets disponibles. De plus, c'est quand même un système politique qui avait une ambition utopique, créer une société quasiment parfaite, et qui pratiquait une propagande intensive. Donc c'était facile de voir la différence entre ce qui était et ce qui était censé être. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, en réalité, en 1917, il y a deux révolutions russes. La Russie est alors impliquée dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France et du Royaume-Uni. La famine et la lassitude de cette guerre va provoquer une révolte qui va renverser le tsar Nicolas II, notamment grâce au soutien d'une partie de l'armée. Le gouvernement provisoire ne met pas fin à la guerre, et après plusieurs mois d'instabilité, le parti de Lénine, le parti bolchevique, qui gagnait de plus en plus d'influence dans le pays, décide de prendre le pouvoir par la force en octobre 1917. Ici, à la suite de ça, Lénine signe une paix séparée avec l'Allemagne, la Russie ne va pas se retrouver en paix pour autant. En effet, les opposants aux bolcheviques sont nombreux, et la Russie va sombrer dans une terrible guerre civile opposant les blancs, les tsaristes, aux rouges, les bolcheviques. C'est dans ce contexte, et pour faire face à la terreur blanche, que Lénine va créer la Tcheka, une police politique chargée de combattre sur le front intérieur de la guerre civile. Le but de cette organisation est de traquer les opposants à la révolution pour les éliminer. Les activités de la Tcheka ont inspiré cette blague. C'est Dieu qui, après la révolution d'octobre, décide d'envoyer trois observateurs en Russie, Saint-Luc, Saint-Georges et Saint-Pierre. Après quelques jours, il reçoit trois télégrammes. Le premier dit « Je suis tombé aux mains de la Tcheka », signé Saint-Luc. Le deuxième « Je suis tombé aux mains de la Tcheka », signé Saint-Georges. Le troisième « Tout va bien, je m'en sors bien », signé Surveillant Général Petrov. Les armées blanches, pourtant soutenues par des contingents français, américains, britanniques, finissent par être vaincues en 1923. Les bolcheviks, vainqueurs, fondent l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et commencent à mettre en place leur politique. Nationalisation de l'industrie et du commerce, contrôle de l'État sur la production, etc., etc. Le modèle de la société change du tout au tout, ce qui explique cette blague. C'est une vieille paysanne qui visite le zoo de Moscou. Là, pour la première fois de sa vie, elle voit un chameau, et elle s'écrie « Mon Dieu, regardez ce que les bolcheviks ont fait à ce pauvre cheval !» Cette blague montre à la fois l'étonnement du peuple face à ce nouveau monde, mais aussi qu'ils ne comprennent pas toujours tous ces changements. Il y a peu de blagues communistes qui existent au début des années 20. C'est surtout l'âge d'or de la satire qui s'exprime à travers des romans, des nouvelles ou des articles de journaux. Ces histoires satiriques n'avaient pas pour but de s'opposer au communisme, mais plutôt de se moquer des défauts du nouveau système afin de l'améliorer. Le poète Mayakovsky est un partisan de la première heure du communisme, qui va mettre tous ses talents au service de l'URSS. Il va écrire des poèmes à la gloire du communisme, mais aussi créer des affiches satirique de propagande. Toutefois, à la fin des années 20, il commence à écrire des satires qui critiquent le communisme, et en 1930, il finit par se suicider. Il reçoit des funérailles nationales. Mais au vu de ses activités durant les dernières années avant sa mort, et en prenant en compte le fait que le Kremlin a alors un nouveau maître,
Certaines personnes ont émis des doutes sur cette thèse du suicide. Comme illustre cette blague. Quels furent les derniers mots de Maïkovski avant son suicide ? Camarade, ne tirez pas ! Lénine meurt en 1924, et en 1929, Staline est installé comme seul maître du pays. Il lance une nouvelle politique de collectivisation. Les terres des paysans leur sont enlevées, et on crée de grandes fermes collectives, les kolkhozes. Cette politique est un véritable désastre, qui va créer de grandes famines, notamment en Ukraine. Cela va inspirer quelques blagues. Un jour, Staline remarque qu'il y a des souris dans son bureau, et s'en plaint à Kalinine. Ce dernier réfléchit un peu, et puis lui dit « Pourquoi ne pas mettre un panneau kolkhoze dans le bureau ? La moitié des souris va mourir de faim, et l'autre moitié va s'enfuir. » Deux squelettes discutent dans les rues de Kiev. Comment t'es mort ? La grande famine de 1932. Et toi ? Oh, moi je suis pas encore mort. Dieu merci. Chut ! Tu sais donc pas qu'aujourd'hui faut pas remercier Dieu ? Faut remercier Staline. Et comment on fait le jour où Staline meurt ? Là, tu pourras remercier Dieu. Staline lance une politique d'industrialisation et de modernisation forcée du pays avec les plans quinquennaux. En gros, il fixe des objectifs à atteindre en 5 ans ou moins. Pour réussir tout ça, Staline va utiliser le goulag. Le goulag, c'est l'organisme central qui gère l'ensemble des camps de travail à travers l'URSS. Et donc Staline va accentuer la répression. En 1928, le goulag compte à peu près 20 000 personnes, et en 1934, on dépasse le million de personnes. Cette répression est menée par la nouvelle police politique de Staline, le NKVD, dirigée par le redoutable Beria. Pour remplir les camps, le NKVD a des quotas à respecter, et donc ils ne sont pas forcément très regardants sur qui ils y envoient. Une bande de moutons arrive à la frontière finlandaise. Halte là! Pourquoi vous voulez quitter la Russie ? On a peur du NKVD. Beria a dit qu'il allait arrêter tous les éléphants. Et vous n'êtes pas des éléphants ? Ouais, essayez d'aller dire ça au NKVD. Cette politique permet la construction de villes industrielles comme Magnitogorsk, du métro de Moscou, du canal de la mer Blanche, ou encore du barrage de Dniepropetrovsk, le plus grand du monde à l'époque. Mais tout ceci se fait dans des conditions de travail extrêmement dures qui font de très nombreux morts. Staline était complètement paranoïaque. Son rival le plus important était Trotsky. Il avait réussi à le faire exiler en 1930, mais il craignait toujours son influence. C'est pour lutter contre cette influence qu'au milieu des années 30, Staline lança une grande campagne de diffamation et de caricature contre Trotsky. Ce qui a inspiré cette blague. Trotsky se lève un matin et son assistant lui demande « Comment vas-tu, camarade Trotsky ?» Ce dernier lui répond « Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu les journaux. » Entre 1936 et 1938, cette paranoïa atteint son paroxysme. Staline organise de grandes purges à travers l'armée et à travers le parti, y compris parmi ses fidèles. Plus de 700 000 personnes sont exécutées. Pendant les purges, on pouvait vite monter en grade, mais on pouvait aussi vite disparaître. C'est le championnat du monde des magiciens. Premier candidat, un indien, arrive, montre sa main vide, il la referme, abracadabra, hop, un œuf. Referme, abracadabra, hop, une poule. Il la referme, abracadabra, plus rien du tout. Deuxième concurrent, un américain, fait à peu près le même tour, il fait apparaître une poutre de métal, une roue, une voiture de sport, et puis plus rien. Enfin, un magicien soviétique arrive et exécute à peu près le même tour. Abracadabra, un secrétaire du comité de la ville. Abracadabra, un secrétaire du comité régional. Abracadabra, un secrétaire du comité central. Abracadabra, rien du tout. Staline était une personne extrêmement cruelle, mais il n'était pas pour autant dénué d'humour. Il avait par exemple développé ce running gag avec Ivan Nosenko, le ministre en charge de la construction navale. Quelque temps avant le début de la guerre, Staline le croise dans un couloir et lui dit « Camarade Nosenko, pourquoi n'as-tu pas encore été arrêté ?» Selon ses collègues, après ça, Nosenko a passé beaucoup de nuits sans pouvoir trouver le sommeil. Puis, après ça, à chaque fois que Staline le croisait, il lui disait « Tiens, je pensais t'avoir fait fusiller. » Enfin, alors qu'il assistait aux parades célébrant la victoire sur les nazis, Staline déclara « Finalement, qu'est-ce qui nous a vraiment apporté la victoire ?» Était-ce notre technologie supérieure socialiste ? Était-ce notre amour de la mère patrie ? Était-ce notre conscience prolétarienne ? Oui, c'était toutes ces choses, bien sûr. Mais avant tout, je pense que ce qui nous a apporté la victoire, c'était notre sens de l'humour. N'est-ce pas, camarade Nosenko ? Forcément, il y avait des blagues qui circulaient sur la cruauté de Staline. Staline fait un discours dans une grande usine. Et je dirais que ce qu'il y a de plus important en Union soviétique, c'est la vie humaine, et... Soudainement, quelqu'un tousse dans l'assistance. « Qui a toussé ?» crie Staline. Silence. « Ok, appelez le NKVD. » Le NKVD arrive et commence à mitrailler dans le tas. Au bout d'un moment, il ne reste plus que 7 hommes. Staline repose sa question. « Qui a toussé ?» Un homme lève la main. Et là, Staline lui dit « Mais c'est un terrible rhume que vous avez là. Tenez, tenez, prenez ma voiture et allez à l'hôpital. » Finalement, on ne sait pas ce qui est arrivé en premier. Les blagues sur la cruauté de Staline, ou Staline qui fait des blagues cruelles. Avant la guerre, l'URSS est complètement isolée. C'est le seul pays communiste dans un monde capitaliste,
On a donc peur des saboteurs et des espions. Quelque part en Sibérie, trois prisonniers discutent. Le premier dit « Moi, si je suis là, c'est parce que j'arrivais toujours à l'usine avec 5 minutes de retard. » Alors ils m'ont accusé de sabotage. Le deuxième répond « Moi, si je suis là, c'est parce que j'arrivais toujours à l'usine avec 5 minutes d'avance. » Et du coup, ils m'ont accusé d'espionnage. Et le troisième dit « Bah moi, j'arrivais tous les jours pile à l'heure et puis ils ont découvert que j'avais une montre de l'Ouest. » Bien sûr, l'Union soviétique ne prétendait pas avoir atteint l'utopie communiste, mais elle disait être dans l'étape socialiste et faire tout ce qu'elle devait afin d'atteindre cette société idéale. Évidemment, ça donnait l'occasion de faire quelques blagues. Un petit garçon demande à son père « Papa, est-ce qu'on a atteint le communisme ou est-ce que ça va encore empirer ? Est-ce qu'il y aura encore une police quand on aura atteint le communisme ?» Bien sûr que non. D'ici là, les gens auront appris à s'arrêter eux-mêmes. Toutefois, s'il y a beaucoup de blagues qui circulent, elles ne sont pas sans danger. Raconter des blagues peut vous valoir plusieurs années au goulag. Elles sont condamnées en tant que propagande anti-soviétique. Un greffier entend rire dans la salle du tribunal. Il entre, et là il voit le juge éclater de rire à son pupitre. Alors il lui demande... Pourquoi tu rigoles ? Je viens d'entendre la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Raconte-la ? Ah non, je peux pas. Mais pourquoi ? Parce que je viens de condamner un type à 5 ans de travaux forcés pour ça. On pouvait même être arrêté pour avoir écouté une blague. Qui a creusé le canal de la mer Blanche ? La rive droite a été creusée par ceux qui racontaient des blagues. Et la rive gauche ? Par ceux qui les écoutaient. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie commence l'invasion de l'Union soviétique. L'armée allemande avance vite, à la fois grâce à ses supériorités technologiques, mais aussi à cause des grandes purges, qui ont complètement désorganisé l'armée soviétique, en la débarrassant de nombre d'officiers compétents. L'heure n'est plus à la critique du système soviétique, mais à la lutte contre les nazis. Malheureusement, je n'ai pas de blagues racontées spécifiquement par les citoyens soviétiques à l'époque de la guerre. Mais bon, ce serait dommage de ne pas profiter de l'occasion pour se moquer un peu des nazis, non ? Quelle est la différence entre un seau de fumier et un nazi ? Bah le seau. C'est Hitler qui visite un asile. Alors, pour l'accueillir, on a aligné tous les patients qui font bien le salut nazi. Alors Hitler les passe en revue, comme ça, puis soudainement il passe devant un mec qui fait pas le salut nazi. Il dit « Bah, tu salues pas, toi ?» Et le gars lui répond « Ah non, moi je suis infirmier, je suis pas fou. » C'est Hitler qui fait du bateau sur un lac, mais à un moment il tombe à l'eau et commence à se noyer. Un paysan qui note que quelqu'un est en train de se noyer, accourt pour le sauver. Donc une fois sorti de l'eau, Hitler lui dit « Je suis Adolf Hitler, et tu viens de me sauver la vie. Demande-moi ce que tu veux, je le fais. » Là le paysan lui dit « S'il vous plaît, dites à personne que je vous ai sauvé la vie. » Pour finir, une petite blague racontée par la communauté juive d'Allemagne. C'est un juif qui se promène dans un parc et il aperçoit un de ses amis assis sur un banc. En s'approchant, il se rend compte qu'il est en train de lire Der Strummer, un journal antisémite. Donc il va le voir et puis il commence à lui dire « Mais comment tu peux lire un truc pareil ?» Et l'autre lui répond « Bah tu sais, en ce moment les temps sont durs, on nous tabasse, on ferme nos boutiques, on nous dépossède de nos biens. Mais quand j'ouvre le Der Strummer, je lis qu'on roule sur l'or et qu'on contrôle le monde. » Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie est battue. Les soviétiques font partie des vainqueurs. Que va-t-il se passer maintenant ? Nous en parlerons la prochaine fois, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire et pas mal de blagues à raconter. Donc, à la prochaine fois !